donc je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo derniers achats. En fait je viens de rentrer vraiment à l'instant d'une virée d'une journée en Italie. Donc pour ceux qui sont pas forcément au courant, j'habitais à Annecy en Haute-Savoie et on est vraiment très très proche de la frontière entre autres italienne puisqu'on a aussi la frontière suisse qui est toute proche. Et donc à moins de 2 heures de route de chez moi, il y a la frontière italienne et notamment une ville qui s'appelle Aoste, qui est donc dans le Val d'Aoste, comme son nom l'indique, qui est un petit village, même une ville que j'aime beaucoup, dans laquelle je me rends depuis toute petite avec mes parents et puis ensuite avec Quentin, Inès, etc. C'est une ville que j'aime beaucoup pour plein d'aspects, c'est très dépaysant en étant à moins de 2 heures de route de chez soi. On y mange très très bien, il y a plein de petites boutiques sympas, c'est un village avec toute une vieille ville qui est vraiment vraiment magnifique avec des ruines. Voilà, c'est vraiment une ville qu'on aime beaucoup, dans laquelle on se rend assez régulièrement, peut-être, en tout cas pour moi, 3 ou 4 fois par an. C'est une ville que je connais comme ma poche et à chaque fois j'achète des petites choses. Alors j'achète pas toujours les mêmes choses, mais il y a quand même des trucs qui reviennent. Et donc je voulais vous faire une vidéo pour vous montrer ce que j'achète quand je pars une journée en Italie. Donc on y part vraiment tôt le matin. Là ce matin on est parti à 7h30 et on vient de rentrer, il est quelque chose comme 17-18h. Donc voilà, c'est vraiment une virée express. Mais c'est très très dépaysant, à peine 2 heures de route de la maison. C'est une région, une province d'Italie dans laquelle on parle français et italien. Donc moi je parle un petit peu italien donc je me débrouille toujours, mais voilà, ça a ce côté hyper dépaysant tout en ayant l'impression d'être chez soi, c'est très agréable. Alors qu'est-ce que j'achète quand je m'y rends? De la nourriture, voilà, parce que j'adore la nourriture italienne et qu'ici on a beaucoup beaucoup d'influence italienne dans l'assiette. Et aussi un petit peu de mode, alors j'achète pas toujours les mêmes choses, mais voilà, il y a des petites boutiques que je connais, que j'aime bien, et je voulais vous montrer ce que j'ai acheté. Je vais faire un peu tout dans le désordre pour éviter de faire toute la nourriture et la mode derrière. Tout d'abord, alors je ne connais pas du tout le nom de la boutique, mais j'essaierai de vous retrouver ça, parce que je connais le plan de la ville, donc il est possible que j'arrive à retrouver ça. À Aoste et en Italie en général, on trouve des fabricants de pâtes fraîches artisanales à peu près à tous les coins de rue. Donc des pâtes qui sont faites main, avec des garnitures faites main, etc. C'est délicieux, c'est pas très cher, la vie est vraiment beaucoup beaucoup moins chère là-bas qu'ici chez moi à Annecy. Et en fait ce que j'achète ce sont des paquets de pâtes fraîches. Alors ça ce sont des pâtes aux épinards, alors je vais pas les ouvrir parce que en fait pour tout vous dire moi je les congèle en fait quand j'arrive chez moi. Ça me permet d'avoir des repas hyper rapides, faciles à décongeler et très très bons. Donc j'ai toujours voilà, plein de paquets de pâtes fraîches qui sont à notre disposition dans le congélateur. Vous pouvez bien sûr les laisser au frais dans votre frigo, mais ça se conserve bien moins longtemps. Et comme vous allez voir, j'en ai acheté pas mal. Donc ça c'était aux épinards. Ça ce sont des, d'après ce que je vois, des raviolis à la viande. Donc je prends toujours des paquets pour 3. Comme ça, ça nous fait un repas complet pour nous 3. Ça ce sont des sortes de raviolis à la burrata, ça va être une tuerie. Donc ce magasin est en plein centre d'Aoste, en tout cas vraiment la rue juste à côté vraiment du centre historique d'Aoste. Donc j'essaierai de vous mettre ça sous la vidéo. Ensuite, zucchini, donc ça doit être des pâtes aux courgettes. Ah oui, c'est des pâtes fourrées à la courgette et à la menthe. Je trouve jamais vraiment les mêmes recettes à chaque fois, mais franchement on se régale et on leur fait complètement confiance. Et ça je ne sais plus ce que c'est, je me demande si ce ne sont pas des pâtes aux champignons ou quelque chose comme ça. Et dans tous ces magasins de pâtes, vous trouvez souvent des sauces aussi qui sont faites maison. Donc pareil, je pense que je vais en garder une, soit pour ce soir, soit pour demain, et l'autre je vais la congeler. Ils appellent ça de la sauce al ragout, donc je pense que c'est de la sauce à la viande toute simple. Et oui, j'ai aussi pris des gnocchis. Voilà, pour faire un gratin gnocchi. Donc tout ça c'est fait maison, c'est très 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 bon. Je pourrais pas vous dire pour combien j'en ai eu parce que mes parents ont acheté beaucoup beaucoup de pâtes aussi. Mais pour vous donner une rapide idée, ils ont acheté bien plus que ce que moi j'ai. Et au total ils ont pris des sauces, ils ont pris plein d'autres trucs que moi. On en a eu pour 88 €, quelque chose comme ça. Donc c'est vraiment très très bon marché. On peut manger pendant des jours entiers avec tout ça. Donc voilà, c'est très très bon marché. Ensuite, de l'autre côté de la ville, pas très très loin de la mairie, pareil, j'essaierai de vous retrouver le nom du magasin si vous passez par Aoste. Je ne sais pas si ça s'appelle Nicoletta, c'est ce qui est écrit sur le papier, mais je ne suis pas certaine. C'est une fromagerie majoritairement qui vend aussi un peu de charcuterie. Et donc j'ai pris un morceau de fontina, qui est vraiment le fromage typique de là-bas, et un morceau de tome de chèvre ou quelque chose comme ça. Donc je ne me souviens plus exactement les noms, mais voilà, ça va être mangé en un rien de temps, c'est certain. Ensuite je me suis rendue dans une boutique que vous connaissez probablement, parce que ça n'est pas qu'en Italie. Ça s'appelle Intimissimi, qui est un magasin de lingerie que je connais moi depuis des années, bien avant que la marque arrive en France. C'est une marque de lingerie vraiment de très bonne qualité. Alors moi j'ai pas beaucoup de besoins, j'ai pas une très forte poitrine,
donc j'ai pas besoin d'avoir énormément de soutien ou quoi que ce soit, donc je suis pas très difficile côté lingerie, mais c'est vraiment une marque de lingerie qui me correspond parfaitement. Je trouve que leurs soutiens-gorge sont d'un confort inégalable. Je trouve que les prix sont très raisonnables, il y a souvent des offres, un acheté, l'autre offert. Enfin, je vais vous dire là d'ailleurs ce que j'ai eu comme offre. Il y avait les soldes également dans la boutique, donc c'était hyper intéressant. Et là je commençais à manquer cruellement de lingerie. J'ai deux soutiens-gorge qui ont perdu une baleine qui s'est échappée pendant le dernier lavage en machine, donc je les ai mis à la poubelle. C'est irréparable, ils sont complètement déchirés sur le côté. Donc je manquais vraiment vraiment de lingerie, donc j'ai refait tout un stock. Alors je suis pas toujours très à l'aise à l'idée de vous montrer tous mes sous-vêtements en vidéo, donc je veux pas le faire maintenant. Mais voilà, j'ai acheté plein de bas, des culottes, etc. Principalement dans des tons blancs, noirs et chers, parce que c'est ce que je porte le plus et ça me permet d'assortir facilement le haut et le bas avec. J'ai pris un soutien-gorge cher en dentelle, je l'aurais volontiers pris dans une autre couleur, mais il n'y avait plus que cette teinte là, mais bon, bref, tant pis. Et ensuite ils ont toute une collection de vêtements d'intérieur, pyjama, etc. Alors vêtements d'intérieur ou pas, vous en faites un peu ce que vous voulez, mais j'ai craqué sur trois pièces magnifiques. Tout d'abord ce petit short, j'essaierai de vous retrouver des liens si je les trouve sur le site. Un t-shirt en coton rose avec juste un petit empiècement en petit carré un peu écossais sur les poches. Voilà, ça pour traîner à la maison pour dormir avec un haut tout blanc pour en faire un pyjama, ça sera parfait. Il existait le haut coordonné mais j'en avais pas vraiment besoin. Ensuite ce t-shirt qui est un petit peu oversize, donc je l'ai pris en taille S. Je vous ai pas dit pour le short, je l'ai pris en M, je fais du 40 en taille de pantalon. Donc ce petit t-shirt avec des emmanchures un peu américaines, j'aime beaucoup, avec des rayures. Voilà, pour en faire un pyjama sur un petit short en coton gris, ça sera très très bien. Et puis toujours dans cette gamme de vêtements d'intérieur, j'ai trouvé cette blouse. Alors vous en faites ce que vous voulez, hein, un pyjama ou autre, mais moi je compte m'en servir comme d'une blouse pour la vie de tous les jours. Et bah j'adore. Voilà, un petit plumetis blanc avec des petits boutons recouverts de tissu, je suis juste super fan, très contente de ces trouvailles. J'en ai eu pour quasiment 200 € parce que voilà, j'ai beaucoup beaucoup de culottes, il y en a je crois 8 ou 9. Il y avait des soldes sur la plupart des modèles et puis un lot de culottes aussi, j'en ai pris 3, le quatrième était offert ou quelque chose comme ça. Donc voilà, c'était très intéressant, mais il fallait vraiment que je me refasse un stock de lingerie. Ensuite je me suis rendue dans un magasin qui s'appelle Jean Antonio, qui est donc 75 rue Édouard Robert, qui est vraiment une rue centrale dans Aoste. Et alors j'ai trouvé une paire de baskets sur laquelle je lorgne depuis 2 semaines environ. J'ai retourné internet pour les trouver dans ma taille, je ne les ai pas trouvées. Plus dispo sur Asos, plus dispo sur le site d'Adidas ou autre. Et je les ai vues en vitrine et j'ai dit à ma mère, oh, ils les ont. Je suis rentrée dans la boutique, je me suis dit j'espère qu'ils ont ma taille, et oui. Donc il s'agit d'une paire de baskets Adidas, je ne connais pas du tout le nom du modèle. Pourtant c'est pas faute de l'avoir, Samba Rose, voilà, j'allais dire c'est pas faute de l'avoir tapé sur Google pendant des jours entiers. Donc c'est le modèle Samba Rose avec la semelle rose bubblegum. Il y a un petit détail de cœur ici, après vous avez des bandes noires Adidas classiques. Je suis trop fan, donc je les ai prises en 40. Je voulais vraiment éviter les acheter sur internet parce que j'étais pas sûre de la taille. Et bon, finalement je les ai prises dans ma taille habituelle qui est 40. Vous avez les petits cœurs sur la semelle, voilà, c'est un détail, mais franchement c'est canon. Et voilà, gros craquage pour ces baskets. Je les trouve canon. Il y a un petit détail fluo sympa, ça change des paires hyper classiques. Mais j'en suis très contente. Pas donné 99 €. Bon, on est chez Adidas, on se doute bien que ça va pas être gratuit. Mais voilà, c'était vraiment un bon craquage. Et puis en fait j'ai demandé une paire de chaussettes pour essayer parce que j'étais en sandales. Et ils m'ont donné la paire de chaussettes, je pense que pour des raisons d'hygiène. Ils pouvaient pas vraiment faire autrement. Donc voilà, je suis repartie avec une petite paire de sockets. Ça sera très bien pour le sport. Ensuite je me suis rendue dans un grand supermarché vraiment à proximité d'Aos qui s'appelle, alors je ne sais pas comment on dit en italien, en français ça s'écrit Grossidac, je pense que ça se dit Grossidac, donc un magasin qui, enfin un supermarché qui vend de l'alimentaire pour monsieur et madame tout le monde, et aussi des aliments en gros pour les restaurateurs j'imagine, ou des choses comme ça. Donc on y passe toujours parce que on ramène toujours plein de trucs. Je vais vous montrer en vrac ce que je ramène. Il y a peut-être des choses qu'on peut trouver en France ou des équivalents, j'en sais rien, mais du coup quand j'y suis je me fais plaisir et j'achète plein de trucs. Alors il n'y a rien de sain, hein, du coup j'achète pas de légumes ou de fruits là-bas. C'est vraiment que de la gourmandise. Côté biscuits, les gocciole qui sont des sortes de cookies un peu sablés avec des pépites de chocolat. Ça existe dans une variété de saveurs, de goûts, etc. que j'aime beaucoup, et ceux-là ce sont les classiques. Ensuite Mulino Bianco qui est la marque de biscuits, de la sous-marque de biscuits de chez Barilla. J'adore leurs biscuits, ils ont pareil une cinquantaine de références, c'est assez incroyable. Donc j'ai pris les Galetti qui sont des petits biscuits
à base de lait avec des perles de sucre dessus. J'ai pris les Tenerezze qui sont des sortes de biscuits fourrés au citron. Ça c'est une merveille, une fois que le paquet est ouvert en plus il faut les manger assez vite. Toutes les excuses sont bonnes pour se jeter dessus. Les Baiocchi qui sont très connus, qu'on trouve en France aussi, puis j'ai vu voilà, ce format comme ça. J'en trouve pas toujours moi quand je fais mes courses au drive, donc comme ça c'est fait. Ensuite pour le petit déjeuner, enfin ou pas d'ailleurs, ce sont des petites brioches aux pépites de chocolat, toujours de chez Milano Bianco. Qu'est-ce que j'ai pris? Ça, c'est pas du tout italien, mais je suis tombée dessus, le Ritter Sport, ce sont des tablettes de chocolat avec plein de saveurs différentes. Celle-ci, c'est avec du biscuit en dessous et c'est vraiment très très bon. Je viens de changer la batterie de mon appareil photo qui était complètement en rade, donc voilà, peut-être que le plan a changé, mais peu importe. Toujours côté biscuits, j'ai pris un paquet de Bacci di Dama. Ce sont des sortes de biscuits, si ma mémoire est bonne, un peu sablé croustillant avec une couche de genre de Nutella au milieu. Voilà, je vous le redis, hein, mais si vous cherchez quelque chose de diététique dans cette vidéo, c'est une erreur. Vous ne trouverez rien, j'ai acheté que des horreurs. Mais on va pas se nourrir que de ça. Ensuite, ça, on en voit beaucoup en Italie, les sortes de petits paquets de crackers. Ça existe en version classique, salée, il y en a aux herbes. Et là, je suis tombée sur la version... intégrale, comment dire, complète de chez Mulino Bianco. J'aime bien emmener ça au travail quand je finis tard le soir, je sais plus où ranger ça. Ça me permet de me mettre quelque chose sous la dent assez rapidement quand j'ai pas le temps de manger vraiment quelque chose de complet. Ensuite au rayon charcuterie, parce que voilà, les Italiens sont très bons dans le domaine aussi. Une sorte de salami de saucisson tranché très fin. Ce qui est chouette, c'est que en fait toutes les charcuteries sont tranchées hyper fines. Et moi je trouve que n'importe quel jambon, même bas de gamme, s'il est tranché fin, c'est un délice. Donc ça, de ce côté là ils ont vraiment tout compris. Et une boîte de j'allais arriver, de jambon cru, du jambon de Parme, qui a aussi un très grand succès à la maison. On continue dans le domaine de la diététique. Ça c'est Quentin qui m'a demandé de ramener ça. On trouve ça assez difficilement dans le coin, et c'est vrai qu'en Italie je passe toujours devant, donc c'est plus facile d'y penser. Ce sont des sortes de barres de céréales. Alors ça c'est du sésame, et ça ce sont des cacahuètes enrobées dans clairement du sucre, du miel ou quelque chose de tout aussi sucré. Donc faut pas se faire la barre en entier, mais c'est vrai que c'est très très bon. J'ai oublié un paquet de biscuits, les grains céréales qui sont très populaires aussi, qui existent au chocolat en version nature avec plein d'autres garnitures. Et ça là c'est la version croustillante avec du riz soufflé. C'est une merveille au petit déjeuner ou quand vous avez fait du sport. C'est tellement tellement bon, j'adore ça. On passe à la catégorie produits de la mer. vous le savez peut-être ou pas d'ailleurs, moi je mange pas du tout de poisson, de crustacés, je déteste ça. Mais Quentin a une passion pour les anchois, donc je lui ai pris, plusieurs produits parce que je n'y connais rien. Donc ceux de chez Angelo Parodi, donc des filets d'anchois à l'huile d'olive. Après voilà, je suis partie un peu sur un benchmark de tout ce qui se faisait. Les anchois également dans l'huile d'olive de chez Flotte. Aucune idée si les premiers seront meilleurs que les deuxièmes ou l'inverse. Et après des filets d'anchois mais dans des toutes petites boîtes de conserve. Cela dans la sauce piquante et cela dans de l'huile d'olive. Voilà, ça lui permettra d'essayer. Je sais qu'il est assez curieux de ce côté-là, donc il sera content de tester des trucs. Et toujours de chez Angelo Parodi, le thon à l'huile d'olive. Voilà, je suis passée devant, je sais que Quentin aime bien aussi le thon en conserve comme ça, donc ça devrait faire l'affaire. Ensuite, bon, des achats un peu hasardeux que j'ai trouvé comme ça au fil de mes pérégrinations dans les rayons. Du thé glacé de chez San Benedetto, version bio à la pêche. Voilà, c'est pas trop dans les habitudes de consommer ce genre de choses, mais bon, je suis passée devant, ça me donnait envie. De la crème de balsamique de chez Ponti. Alors ça, je sais qu'il y a la team de ceux qui trouvent que c'est complètement ridicule, que c'est pas italien, etc. Et les autres qui adorent. Moi j'adore ça, donc j'en fous à peu près partout dans toutes mes salades l'été. Et je trouve pas toujours la bonne texture dans les supermarchés français, donc voilà, je suis passée devant, je l'ai pris. Ça, aucun rapport avec l'Italie, des jelly beans, mais j'avais jamais vu ce format là avec tous les goûts à l'intérieur. Vous savez, ce sont des bonbons, enfin vous savez peut-être pas, des bonbons hyper sucrés, ça doit être complètement chimique, mais voilà, il y avait les 36 saveurs à l'intérieur, donc je trouvais ça sympa. Et pour finir, au rayon cosmétique, la mousse à raser Pro Raso. Alors vous vous doutez bien que c'est pas pour moi, mais Quentin adore cette mousse à raser qu'on retrouve dans tous les rayons de à peu près tous les supermarchés en Italie. Elle coûte pas cher et selon lui c'est la meilleure. Voilà, je me permets de vous le dire parce que moi je n'y connais rien. Et je suis passée devant l'après-shampoing de la gamme Hair Food de chez Fructis en version banane. J'avais adoré le masque de la marque. C'est un produit qu'on trouve très probablement en France aussi, mais je ne l'ai pas vu.
Donc je l'ai croisé et je l'ai pris. Ça existait aussi en version shampoing, j'ai hésité, mais je l'ai pas pris. Et il y avait également le masque cheveux que je connais. Donc voilà pour mes achats en Italie. Je vous ai pas dit pour tout ça, donc vous avez vu, hein, c'est que des choses assez chères parce que c'est des biscuits, des produits transformés, etc. J'en ai eu pour 60... mince, je me souviens plus. Peut-être 65 euros. J'ai vraiment pas pris les produits les moins coûteux du supermarché. Et est-ce que j'ai oublié quelque chose? Non, c'est tout. La mode, les chaussures et la nourriture. Voilà, je crois que c'est à peu près tout. Donc j'espère que ça vous donne des idées si vous avez pour projet de passer en Italie cet été ou que, comme moi, vous avez la chance de vivre à côté de la frontière. Ça peut peut-être vous donner voilà, l'inspiration pour vos prochaines courses côté Italie. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.